quand on est dans un avion entre Chicago et Détroit et que je me rends compte que ma chef-op a perdu tous les rushs de Chicago. Enfin, la moitié des rushs, je suis méchant. Du coup, en fait, j'avais les sons, on n'avait pas les images. Donc, enfin, on a gardé les images des premiers jours et puis on a trouvé des... Enfin, j'aurais pas dû dire ça, peut-être, mais... anecdote... Bah on est, tu vois, à Détroit en train de faire des travelling sur les maisons abandonnées. Moi j'avais une vision hyper romantique de cette ville avant d'y aller parce que tout le monde m'a dit tu verras c'est complètement dingue, c'est une ville intemporelle. Et je me suis dit waouh, il y a tellement de choses. On m'a dit Madonna, Eminem, Miss Stooges, la Motown. Et ensuite la techno, je me suis dit putain il y a un truc de dingue qui se passe là-bas. Je voyais les photos, je me disais c'est tellement beau, j'ai envie d'y aller. Et puis en fait là-bas c'était hyper déprimant et hyper sombre et on me disait tu sors pas dans la rue. Et on est allé dans les maisons abandonnées pour filmer. Il y avait des fringues, des trucs. Enfin, genre, on aurait dit que les gens avaient fui une catastrophe naturelle. Quoi. Donc, ça, c'était un moment assez fort aussi avec le tournage.